pouvez commencer à parler. Bien, cher Thierry Marx, chère Florence Danton, mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, nous avons la joie et l'honneur ce soir d'accueillir à Sciences Po, je crois que ça n'a échappé à personne, le chef Thierry Marx qui nous fait l'amitié de nous consacrer un peu de temps. J'ai l'impression, chef, que vous avez un auditoire conquis face à vous. C'est plutôt rassurant sur la suite des événements et sur ce que cette soirée peut nous réserver. Permettez-moi en tout cas de vous dire combien nous sommes heureux de vous avoir parmi nous ce soir, de vous remercier très chaleureusement du temps que vous nous consacrez. Vous avez choisi de placer cette soirée sous un mot d'ordre que je trouve pour ma part particulièrement inspirant. À l'évidence, il faut être créatif. Ce titre, il est de vous. Je crois qu'il résonne de manière très, très forte avec la raison d'être de ces rendez-vous de la création qui sont un programme régulier de rencontres proposé par le Master Communication, Médias et Industrie Créative de notre École du Management et de l'Innovation, par Florence Danton et ses équipes, à nos étudiantes et étudiants. Pour dire très simplement, cher Thierry Marx, ce qu'est l'objet de ces rendez-vous de la création, c'est tout bonnement de permettre à nos étudiantes et à nos étudiants de rencontrer des femmes et des hommes dont les profils sont très variés, qui viennent partager avec nos élèves le sens qu'ils donnent aux gestes créateurs, le sens qu'ils donnent à leur tâche de création au quotidien et à l'innovation qu'ils essaient d'apporter à leur art. Et ce que nous espérons, c'est que pour vous, chers étudiantes, chers étudiants, lorsque vous entreprendrez des parcours professionnels qui seront très variés et très divers, vous pourrez vous rappeler ces différents témoignages, ces différentes rencontres, qu'ils vous seront utiles dans les projets que vous aurez à mener de l'avant. Une chose est certaine, c'est que Florence Danton veille à ce que les profils de celles et ceux qui viennent s'exprimer à ce micro à l'occasion de ces rendez-vous de la création soient les plus variés possibles. Nous avons accueilli dernièrement un cinéaste en la personne de Claude Lelouch, nous avons accueilli un rappeur en la personne de Sofiane, un designer, il s'agissait de Philippe Stark, un caricaturiste ou dessinateur plantu. Beaucoup d'autres noms s'ajoutent à cela les années précédentes. Et ce soir, nous avons donc la chance d'accueillir un très grand chef, Thierry Marx. À l'évidence, il faut être créatif, disions-nous. Eh bien, en la matière, cher Thierry Marx, vous avez réussi à inspirer au moins un de nos étudiants avant même de venir nous rejoindre ce soir. Et je vous livre une anecdote qui se situe lors d'une chaude soirée d'été. Ça se passait au sein de la bibliothèque de l'Ordre des avocats de Paris. Et il s'agissait de l'une des séquences qualificatives de ce qu'on appelle le concours de la conférence, un concours de plaidoirie, un concours oratoire qui a été fondé il y a plus de deux siècles, qui se déroule donc au Palais de Justice, qui est très codifié et qui permet à des candidats jeunes avocats de démontrer leurs capacités oratoires et les prouesses dont ils sont capables en s'entretenant avec élégance et finesse de thèmes qui leur sont imposés, qu'ils doivent, selon les cas, défendre ou au contraire critiquer. Et le sujet qui a été proposé à l'un des candidats à cette édition 2019 à laquelle je fais allusion, et ce candidat était un ancien élève de l'école de droit de Sciences Po, était « Faut-il baisser la température ?» Et il devait répondre par l'affirmative à cette question. Et en ouverture de son propos, alors que les membres du jury s'attendaient à ce qu'il parle de crise climatique, de transition écologique, de tous ces sujets fort graves, il a décidé d'invoquer la règle d'or de la recette de la bouillabaisse. « Faut-il baisser la température ?» Sa réponse a été « Assurément oui, parce que le secret d'une bouillabaisse réussie, c'est que quand ça boue, tu baisses. » Et pour le plus grand plaisir de l'assistance, il a poursuivi en partageant sur ce sujet l'analyse d'un grand chef, M. Verger, un chef marseillais, qui, interrogé en 1967 sur la première chaîne de l'ORTF, nos étudiants n'ont aucune idée de ce que c'est que l'ORTF, mais enfin, c'était la télé avant que vous soyez nés, bien avant d'ailleurs, interrogé donc par Henri Gault et Christian Millot, deux très grands critiques gastronomiques, le chef Verger disait donc « Seule une ébullition formidable » arrive à faire se mélanger deux corps qui, en principe, ne se mélangent pas,
l'huile et l'eau. Il faut cette ébullition extraordinaire pour que la graisse du poisson qui se dégage fasse que l'eau et l'huile arrivent à former une crème. Fin de citation de M. Verger. Et en fait, je pense, cher Thierry Marx, que vous aurez reconnu presque mot à mot les termes de l'une de vos chroniques radiophoniques sur France Info, celle précisément, je crois, du 5 mai 2019, que de toute évidence, ce jeune homme, ancien élève de Sciences Po, avait entendu et qu'il a décidé, pour le bonheur du jury, de restituer ce soir-là. C'est donc dire que vous aviez, je le répète, réussi à faire œuvre de transmission auprès de nos élèves avant même de vous rendre ce soir à Sciences Po. Cher Thierry Marx, vous présenter en quelques mots serait évidemment un affront terrible à la richesse de votre parcours, de votre carrière. Nous l'évoquions il y a quelques instants dans mon bureau. Ce parcours se caractérise par une extraordinaire diversité d'expériences, par une grande mobilité physique et géographique, par la multiplication des vies qui s'enchaînent et qui parfois coexistent côte à côte. Je crois que l'une des raisons qui font de vous l'un des chefs sans doute les mieux connus de France et du monde et des jeunes générations qui sont face à nous ce soir, ce sont bien sûr les nombreuses étoiles Michelin qui sont accrochées au revers de votre veston, mais c'est aussi le fait que vous avez été pendant 5 ans le juré d'une des grandes émissions culinaires de la télévision française, Top Chef. Vous êtes aussi un chef d'entreprise visionnaire, un vrai entrepreneur, et vous êtes également quelqu'un qui a, je crois, chevillé au corps le souci du bien commun et de l'intérêt général. Et je suis d'autant plus heureux que vous ayez accepté d'être parmi nous ce soir qu'au-delà du témoignage que vous pourrez apporter sur la mécanique du geste créateur et sur la conception que vous avez de votre activité, vous partagez avec nous, vous partagez avec Sciences Po, la passion de l'éducation, de la transmission du savoir, de la formation des nouvelles générations et également de l'égalité des chances. C'est ainsi que vous avez expérimenté dès 2009 avec la mairie de Blanquefort en Gironde une formation courte et gratuite qui était destinée à des personnes en difficulté sociale, qui avait pour objet d'ouvrir un concept de cuisine de rue, que fort de cette expérience, vous avez lancé en 2012 Cuisine Mode d'Emploi dans le 20e arrondissement de Paris, un quartier qui vous est cher puisque vous en êtes originaire. Ce centre de formation et d'application offre des parcours d'insertion à des personnes qui sont très éloignées du travail et les forme gratuitement sur une période de temps assez courte au métier de la restauration, cuisine, boulangerie ou même le métier du service. Et votre initiative extraordinaire a essaimé très, très largement. Votre réseau compte aujourd'hui 9 écoles, près de 500 personnes en sont diplômées. Et à cette expérience-là, ça en ajoute beaucoup d'autres dont vous nous direz peut-être un mot ce soir. Je pourrais donc continuer longtemps, continuer en parlant de vos restaurants en France, à l'étranger, de votre relation toute particulière, toute singulière avec le Japon. Mais comment peut-on être judoka sans avoir une relation singulière avec le Japon ? Je pourrais parler de vos boulangeries, de votre laboratoire à l'Université Paris-Sud, ou encore des très nombreux ouvrages que vous avez publiés, mais je crois que l'heure n'est pas à l'exhaustivité, elle serait impossible à atteindre de toute façon. L'heure est pour moi à des remerciements renouvelés pour votre présence parmi nous, et surtout, l'heure est venue pour vous d'entrer en scène. Merci beaucoup et très bonne conférence. Non, il faut que je prenne le micro. Faut que je prenne le micro ou ça va ? Ça va ? Oh, super. Merci, monsieur le directeur. C'est assez bizarre, ça. J'ai dit à plein de gens que je venais à Sciences Po. J'ai l'impression d'être dans une épreuve de Top Chef. S'il vous plaît, soyez pas trop dur. J'ai pas le parcours qui correspond à Sciences Po. J'adore Sciences Po, mais j'ai pas du tout le parcours. Alors là, je me sens à l'aise comme un homard dans un bol de mayonnaise, vous voyez, c'est un peu à l'étroit. Alors, j'ai pas une capacité à parler en public comme ça très, très facilement, mais si on veut bien prendre mon PowerPoint, s'il vous plaît. Et je vous ai dit, ça commence. La technique, c'est pas moi. Et on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Et ben voilà, mettez-le là, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Donc, je disais, soyez indulgents, parce que je n'ai pas une capacité à prendre la parole comme ça, très facilement, devant un auditoire comme celui-là. J'ai une espèce de pression, et je disais à l'instant que j'avais l'impression d'être un homard dans un bol de mayonnaise.
Alors, je ne vais pas aller dans les grands discours, les grandes phrases, les grandes choses. J'ai un parcours, je vais vous le raconter très très brièvement, avec beaucoup d'humilité. J'ai pas fait beaucoup d'études. Alors, premier cycle d'études, école primaire. Je voulais pas y aller, moi, c'est un truc qui me plaisait pas. Il fallait quitter les jupons de ma grand-mère, le quartier n'était pas sympa. Et on me dit, non, il faut aller à l'école. Alors, ma grand-mère, elle avait trouvé le truc, elle était très 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 créative, ma grand-mère. Elle parlait pas très bien français, elle l'écrivait pas très bien. Et elle comptait pas très bien. Elle me dit, si, si, il faut aller à l'école, c'est important. Je dis, pourquoi c'est important? C'est important parce que les riches, ils ont le savoir. Donc, ils ont le pouvoir. Si tu sais pas lire, écrire et compter, ils vont te voler. Donc, je me suis dit, non, mais je vais pas me laisser voler quand même. Moi, il faut que je compte la monnaie de mon pain. Donc, je suis allé à l'école et j'ai appris à lire, à écrire et à compter. Je trouvais ça sympa. Alors, je pouvais compter ma monnaie, tout ça. Puis alors, dans ces quartiers du 20e arrondissement de Paris, on vous parle de diversité aujourd'hui, mais nous, on était déjà 105 nationalités différentes entre Belleville et Ménilmontant. Alors, la diversité, vous voyez, on est dans les années 60. Aujourd'hui, pour moi, c'est naturel, la diversité. Et puis, comme nos appartements étaient trop petits, on nous a proposé d'aller en banlieue, de l'autre côté du périphérique. C'était drôle parce que maintenant, vous avez trouvé un nom. Enfin, je dis vous, les gens qui nous dirigent ont trouvé un nom pour ces quartiers. Les quartiers politiques de la ville. Il faut une politique spéciale pour nos quartiers. Et je peux les comprendre. Moi, quand je suis arrivé dans ce quartier, on est en 1972, je dois rentrer au collège, en gros, et je vois un grand escogriffe, là, au fantasme Che Guevaresque, qui me dit, non mais, tu sais, ici, c'est fini, l'école des petits. Tu vas changer de classe toutes les heures. Et puis, il faut apprendre des mathématiques modernes. Alors, les mathématiques modernes, je n'avais pas compris ce que c'était. Moi, je ne voyais pas comment, avec les mathématiques modernes, je pouvais rendre la monnaie de mon pain, par exemple. Donc, on m'a dit, c'est pas grave, vous ne comprenez rien à l'école. Alors, on a un projet pour vous. Ne jamais attendre que les gens aient un projet pour vous. Alors, le gars, je lui dis, ben, moi, j'aimerais faire l'école hôtelière. Et il me dit, ah non, 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 non. L'école hôtelière, ce n'est pas pour des gens comme vous. Et c'est quoi des gens comme nous? Parce que Marx, marxien, oui, peut-être, mais c'est quoi des gens comme nous? Non, non, on a un truc pour vous. Alors ça, méfiez-vous quand on vous dit quand c'est général. C'est la mécanique générale. Alors nous, la mécanique de précision, on piquait des mobilettes, on les démontait, on ne savait pas toujours les remonter. Si on nous avait expliqué qu'il fallait faire de la mécanique de mobilettes, on était preneurs. Mais là, on nous dit non, général, un truc vague. Et on était déjà en classe de transition. Donc en gros, il n'y avait pas grand-chose pour nous et pour les gens de mon extraction sociale. Alors j'ai décidé d'entreprendre. Alors d'entreprendre quoi, je ne savais pas, j'avais 13 ans et j'étais déscolarisé. Coup de chance, j'étais bon en judo, je fais du judo. Qu'est-ce que j'apprends dans le judo? Qu'il y a un sensei, qu'il faut être aussi fort que le sensei. Et j'apprends une règle simple, la règle des 3 M. Mimétisme, mémoire, maîtrise. Les Japonais disent « shuari ». Apprends et tais-toi, apprends et comprends, ensuite tu pourras innover. Ça me va, j'ai compris la mécanique, c'était génial, et je suis rentré dans cette mécanique du judo. Mais cette scolarité pourrie me suivait, espèce de boulet au pied, comme ça, de l'élève qui coche pas toutes les cases. Donc pas de sport-études, pas d'INSEP, et il faut que je trouve un apprentissage. Mais le sport, l'activité physique, la confiance que m'avait donnée ce sport m'a permis de quitter la cage d'escalier de la cité des Bois-l'Abbé, une petite photo là, de la cité des Bois-l'Abbé, vous l'avez là, pour aller vers les univers du luxe beaucoup plus tard. Alors, cité des Bois-l'Abbé, c'était simple, mais j'ai eu le courage, enfin, à un moment donné, l'envie de quitter ce quartier, et j'ai croisé la route des Compagnons des Devoirs. C'est sympa, parce que les Compagnons des Devoirs m'ont dit, écoute, le passé, nous, on s'en fout, l'école, on verra plus tard. Maintenant, si tu veux être pâtissier, c'est maintenant. Et on va apprendre le métier. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a du sens quand vous apprenez un métier. Quand on vous transmet quelque chose, chez les Compagnons des Devoirs, ce n'est pas pour vous mettre en conformité. La transmission d'un savoir-faire, ce n'est pas pour mettre les gens en conformité. C'est pour en faire des hommes libres. Alors, moi, j'étais heureux chez les Compagnons des Devoirs. Parce qu'un ancien m'avait dit, tu sais, les Compagnons des Devoirs, c'est la noblesse du monde ouvrier. Or, nous, on venait de cité ouvrière, on n'était rien. Là, il me disait, c'est la noblesse du monde ouvrier. Et puis, il y avait une phrase sur un compagnon pâtissier qui s'appelait Yves Turiès, sur un de ses livres de compagnonnage, il disait,
salaire honnête ou repos, du premier naît l'harmonie, du second naît l'anarchie. Donc, j'ai décidé de devenir avec eux un ouvrier d'élite en pâtisserie. C'est formidable, j'apprenais mon métier en faisant le tour de France. Et puis surtout, ils donnaient du sens à mon apprentissage. Je vous donne un exemple, Pascal Niot. Mon premier travail, quand j'étais apprenti, c'était de remplir de la pâte à choux avec de la crème pâtissière pour faire des petits fours. Certains connaissent, peut-être pas d'autres. Et donc, je garnissais ça. Alors, je faisais 3 litres de crème pâtissière. Je faisais de plus en plus vite, de mieux en mieux, impeccable, je la faisais refroidir. Puis un jour, Pascal Niot vient me voir et me dit, tu sais, c'est le printemps, on voit un peu moins de petits fours frais, il faudrait diviser la recette par 3. Oh, 3, vous êtes sûr? Pourquoi pas par 2? C'est plus simple. Il me dit, non, c'est par 3, tu comprends. Et là, il me dit, il voit rapidement que sur mon visage, il y avait un petit blocage. Il me dit, oh, mais c'est pas grave, c'est qu'une division, finalement. Et il prend un vieux sac de farine, il dessine dessus le symbole de la division, et il commence à m'apprendre la division, et puis me refaire faire l'étape de multiplication. Et je me sens là, pas dans comment apprendre la division, mais pourquoi apprendre la division? Pour devenir un homme libre. Il voyait bien que quand il me demandait d'écrire « Joyeux anniversaire », dans « Joyeux », il y avait une faute, et dans « Anniversaire », il y avait une faute. L'après-midi, il me gardait, il me disait « On va apprendre à écrire « Joyeux anniversaire » avec un cornet en chocolat. » Et on faisait des pleins et des déliés, on écrivait « Joyeux anniversaire ». Le sens, le sens, le sens. C'est ce que m'a apporté mon apprentissage chez les Compagnons du Devoir, toujours donner du sens à la création. Alors aujourd'hui, je suis devant vous, je vais vous parler de mon métier, je vais vous parler de qui je suis. Et comme je l'ai dit dans le début de cette intervention, à l'évidence, il faut être innovant. À l'évidence, il faut être créatif. Moi, je voulais être un chef créatif. Je ne voulais pas être un cuisinier simplement étoilé. Il y en a plein en France. Je ne voulais pas simplement être un chef connu. Il y en a plein en France. Je voulais être créatif. Je voulais faire une cuisine absolue, une cuisine de quintessence, une cuisine d'esthétisme. Je voulais, au travers de mes plats, donner de la mémoire et de l'éphémère. Et j'avais une phrase en tête. Essayez de la situer, cette phrase. La cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules, trop souvent empiriques, à la science. La cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules, trop souvent empiriques, à la science. Auguste Escoffier, 1903. Alors, ne m'accusez pas de cuisine moléculaire. C'était déjà lui, ou Jules Gouffet, comme on l'a évoqué dans la bouillabaisse, qui parlait de la cuisson au gradient descendant. Merveilleuse cuisson du gradient descendant. Moi, je voulais être un chef innovant et être reconnu pour son innovation. Alors, en 2004, je tombe sur un article du Times, j'ai 2 étoiles, je suis chef de l'année pour Goemio, chef de l'année pour ma profession. J'ai 2 étoiles, espoir, 3 étoiles. Et là, il y a un article dans le Times, en gros, qui dit « L'innovation culinaire n'est plus en France, l'innovation est ailleurs. » L'innovation est en Espagne, chez Eston Blumenthal en Angleterre, en Espagne, chez Ferran Adria, en Italie, avec David Scabin. Je me dis « C'est pas possible, je commence à être sur le sommet de la reconnaissance de mon métier, et on me dit que l'innovation n'est plus en France. » Et là, je vois passer un mot, gastronomie moléculaire. Je dis, il faut y aller. C'est dans ce truc qu'on va trouver de l'innovation. Parce qu'effectivement, le journaliste qui avait écrit ça avait fait un constat très simple, c'est que les chefs français n'étaient jamais innovants. Et pourquoi ils ne sont jamais innovants ? Tout simplement parce qu'ils ont des cahiers de recettes. Tout le temps. La recette du foie gras, c'est la même que celle d'Antonin Carême au XVIIIe siècle. L'œuf, soi-disant parfait, mais vous retrouvez la recette dans le livre de Jules Gouffet, fin du XIXe. Et j'ai évoqué Escoffier, etc., etc. Donc, je me suis dit, cette gastronomie moléculaire, il faut aller voir ce que c'est, il faut oser aller voir la gastronomie moléculaire.
Donc j'y suis allé, on a créé un centre à Orsay, qui s'appelle le CEFIC, le Centre français d'innovation culinaire. Et puis aujourd'hui, on me paye pour être créatif. Et bien en plus. C'est couillon. On me paye très bien pour être un chef innovant, pour être un chef créatif dans l'univers du food and beverage. C'est génial. Je suis heureux. Aujourd'hui, mes entreprises, en gros, si je fais simple, c'est 800 collaborateurs, c'est plusieurs restaurants étoilés, effectivement, ça a été évoqué, une compagnie en boulangerie, une compagnie en boulangerie au Japon, des biscuits, de la recherche sur néo-gourmet, où on fait du sans sucre pour de la pâtisserie, etc., etc. Je vis très, très, très bien l'innovation. Fin de la plaisanterie. J'en vis très, très bien. Mais l'innovation, c'est fragile. C'est dur. C'est méchant. Si vous voulez être innovant, ou si vous voulez protéger l'innovation dans vos entreprises, alors il va falloir vous armer d'une force mentale incroyable et d'une capacité à défendre l'innovation. Parce que l'innovation, c'est vital. Sinon, on fait comptable. Mais c'est très difficile. Alors, quand vous innovez, ce qui est drôle, c'est un peu la théorie de Schopenhauer. Vous êtes d'abord moqué. T'as acheté le costume ou la petite boîte du petit chimiste ? Tu vas te lancer dans quoi ? T'es sûr ? Hein, c'est osé, ton truc, là. Or, c'est juste la moquerie. Ça, c'est pas très grave. C'est les copains, les gens qui vous ont connu dans le métier. On se moque gentiment dans votre dos. C'est pas très grave. Puis, vous commencez à lancer vos premiers essais. Là, vous commencez à faire douter. Et vous faites douter quoi ? Des gens qui, il y a quelques années, étaient meilleurs que vous. Vous dérangez des cercles. Et ça peut être très violent. Je vous donne quelques exemples pour vous faire rire. Thierry Marx, fossoyeur de la gastronomie française. Marianne. Pourquoi pas ? Christian Millau. Monsieur Marx, il faudrait siffler la fin de la récréation. Bon. François Simon. N'y allez pas, c'est nul. C'est violent. Très violent. Vous le vivez très mal. Pourquoi ? Parce que finalement, quand vous créez, vous êtes seul. Et qu'est-ce que vous vous dites le soir quand vous êtes au fond de votre pieu ? Vous dites, et s'ils avaient raison ? Et si je cherchais simplement à me faire connaître ? Si je faisais de la fumée comme ça, juste pour avoir l'air d'eux ? Juste pour être connu, juste pour faire du fric ? Est-ce que ça a du sens, ce que je fais ? Ils ont peut-être raison, vu que 99% de ce que je fais part à la poubelle. C'est ça, l'innovation. Donc, je vous le redis, si un jour vous voulez être créatif dans des métiers créatifs, ou si vous dirigez des entreprises dans lesquelles vous allez devoir supporter, aider un service de recherche et de développement, il va falloir vous armer d'une force mentale, d'une force morale et d'une force physique pour être en capacité de défendre l'innovation. Alors, c'est pas Cosette quand même. Avant de passer à autre chose, j'aimerais vous parler de trois petits constats finalement. Pourquoi être innovant si c'est aussi compliqué ? Quelque chose que j'ai pu constater, si vous êtes innovant pour être célèbre, je pense que vous allez vous planter. Ou je pense qu'on se plante. Si vous voulez être innovant pour être riche, je pense qu'il y a fortes chances qu'on puisse se planter aussi.
Maintenant, si vous voulez être innovant pour les autres, pour le besoin des autres, pour le service aux autres, là, il y a de grandes chances, de très grandes chances, que vous réussissiez. Ça, c'était pour la partie « Soyez combatif, soyez innovant ». Après, je vous montrerai des trucs en cuisine. Je n'ai pas amené mon fourneau. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que ça ? Levez la main et dites-moi ce que c'est, si je vais avoir l'air d'un abruti. C'est un sèche-main. Wow. Un sèche-main. Bravo. Sans tout de suite qu'on est à Sciences Po. Alors, ôtez-moi d'un doute, est-ce qu'il y a les mêmes sèche-mains chez les filles ? D'accord. Cette société a été leader du marché mondial des sèche-mains pendant 40 ans. Énormément de salariés, l'entreprise est à Chicago, gagne très très bien sa vie, pas croire que ce soit des abrutis. Ils ont probablement des chercheurs, un réseau de recherche et de développement. Qui se rappelle de l'utilisation de ces sèche-mains ? Alors vous, qu'est-ce qu'on faisait ? Arrêtez-moi si je me trompe. Le coude, on ne savait pas qui était passé avant. Après, on mettait ses mains dessous. Ça ne séchait rien. Qui a dit ça ? C'est vrai, ça ne séchait rien. Hein, d'accord ? Alors qu'est-ce qu'on faisait, nous les mecs, un peu crades quand même, hein ? On faisait ça. Et pire, on faisait ça. 40 ans, leader mondial du marché. Ne pas raisonner en silo. À un moment donné, sortir du silo pour être créatif. Puis il y a un type qui arrive qui dit « Mais j'ai pas envie d'avoir le carrelage mouillé tout le temps, j'ai envie d'avoir des mains sèches. » Il s'appelle Dyson, il prend les parts de marché et en 3 ans, la boîte disparaît. Voilà pourquoi il faut être innovant. Alors, voilà, je suis là. Raffles Fairmont. Raffles Fairmont. Vous connaissez tous ces marques d'hôtels. Formidable. Ça vient de se vendre. Un siècle d'existence. Un siècle d'existence. D'accord ? On ne met pas les choses en question. On n'écoute pas vraiment le besoin du client. Ça se vend. Beaucoup de chambres. Une très grosse compagnie va racheter Fairmont et Raffles. Très bien. 2,7 milliards. On est d'accord. À côté, vous savez ce que c'est ? Soho House. Vous avez tous entendu parler de Airbnb. On s'est aperçu que les gens aimaient Airbnb. Quand on est à New York, on a envie d'être New-Yorkais. Quand on est à Londres, on a envie d'être londonien. Quand on est à Paris, on a envie d'être parisien. Donc ça sert à quoi de faire des hôtels qui sont plus chics les uns que les autres, mais qui ne répondent pas aux besoins du client ? Alors pourquoi je vous ai mis ce comparatif ? Parce que les gens de Soho House ont été extrêmement innovants. D'abord, ils ont monté une brasserie pour les copains. Puis les gens de la City sont venus boire des bières et puis ont commencé à enlever la cravate, le veston et des pintes de bière et des pintes de bière. Ah, c'est chiant, il n'y a que des pintes de bière. Tu ne crois pas que tu pourrais faire un petit peu à manger ? Et on fait un petit peu à manger. Et puis les voisins se plaignent du bruit, finissent par quitter les appartements, ils rachètent l'immeuble. Ils mettent une piscine au-dessus, ils font un club privé, Soho House. Vous êtes membre de Soho House, vous téléphonez, il n'y a pas de contact avec l'argent, tout ça est prépayé. Vous avez des chambres qui sont plutôt sympathiquement décorées, il y a toujours une activité. Toujours une activité. Toutes les heures, il y a du crochet, des cupcakes, que des trucs pour se rencontrer, pour que ce soit fun, essayer ça. Moi, j'ai essayé de faire le coup à mon fils. Je lui ai dit, tu vas voir, les ateliers, c'est sympa. Je lui ai dit, regarde, il y a un atelier crochet. Il me dit, tu ne vas pas me faire ce coup-là, quand même. Et puis, quand il a ouvert la porte, qu'il a vu qu'il y avait des gens de votre âge qui essayaient de se communiquer, à essayer d'apprendre à suivre le cours de crochet, il m'a dit, oh, mais j'y vais, quand même. Voilà, ils ont inventé une autre forme d'hôtel en 1995. En 1997, ils créaient Soho House. Aujourd'hui, ils se sont vendus 2,7 milliards. Un siècle, 1997, départ de Soho House. Vous voyez que ces gens, on a raison d'être innovants, parce qu'en termes de business, c'est quand même très excitant. Alors, on va parler innovation. Je n'ai pas de diplôme, plus que ça. J'ai un modeste
baccalauréat, un CAP de pâtissier, un CAP de cuisinier, mais je n'avais pas accès à l'université. Les gens comme moi n'ont pas accès à l'université. Or, c'est intéressant, l'université. Et on décide de créer, comme je l'ai dit, le CEFIC, le Centre français d'innovation culinaire. On s'est dit, mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pour toujours être en marge de mes entreprises. Pour toujours être en marge d'entreprise. Pour être un cerveau collectif permanent de réflexion. Pour détecter, plutôt que les autres, les signaux faibles. Alors, l'artisanat rapproché du monde de l'artisanat, de l'université, et l'université rapprochée du monde de l'artisanat. Quel intérêt ? Je vais évoquer comme ça quelques anecdotes. Il y a quelques années, on vient nous voir pour nous dire que quand le cours de la tomate s'écroule en France, c'est 30 tonnes de tomates semaine qui partent à la poubelle. 30 tonnes de tomates à la poubelle. Et là, vous avez toujours un sales marketing qui vient vous voir, qui dit, Monsieur Marx, vous faites Top Chef, vous ne voulez pas mettre votre nom sur une nouvelle sauce tomate super cool, avec, et surtout qu'elle soit moléculaire. Ouais, ouais, c'est combien le chèque ? Et puis, je me dis, dans ce cerveau collectif, si je fais rentrer cette tomate, qu'est-ce qu'il en sort ? Qu'est-ce qu'il en sort ? Et là, il y a des gens de votre âge qui vous disent ah, « Monsieur Marx, pff, tomate, ouais, c'est, on s'en fout, en plus, c'est 90% d'eau. Et puis, il y a 2-3 grammes de lycopène. Ah bon ?» Et puis, le gamin finit par vous dire « On n'a qu'à les centrifuger, et sur 30 tonnes, on récupère 25 tonnes d'eau. 2050, le problème de cette planète, ce n'est pas la gastronomie, c'est l'eau. » Donc, on s'est dit « On va récupérer cette eau. » Et cette eau, on va l'aromatiser. Et dans quelques mois, vous allez voir des eaux végétales aromatisées dans vos supermarchés. Pas toutes. Et là, il y a déjà une marque, Shiseido, qui a déjà anticipé pour avoir un partenariat. Vous voyez à quoi sert l'innovation ? Dès lors qu'elle est décalée et dès lors qu'elle est en cerveau collectif. Vous avez toujours quelqu'un. Le lycopène sert d'antioxydant pour les nouveaux médicaments, les alicaments pour des personnes. Donc, tous les centres anticancéreux sont venus nous voir en nous disant « Nous, le lycopène, ça nous intéresse parce qu'on peut en faire ça. » Et puis moi, bon cuisinier, je me dis « Mais s'il y a 90% d'eau, c'est quoi l'idée d'une recette ?» Eh bien, je veux dire, dans une tomate, je peux faire 3 plats. Je vous le dis. Un petit semi-prix d'eau de tomate, très aromatisée. Ensuite, la pulpe de la tomate, juste stabilisée. Les pépins de la tomate torréfiés avec la peau de la tomate séchée, mélangée comme ça, avec une pointe de gros sel. Juste la petite partie verte, ça en retire, c'est pas bon pour la santé. Et vous avez un semi-prix de tomate fraîche, instantanée. 3 plats différents dans le même plat. Vous voyez qu'avec un peu de réflexion, tout le monde peut se retrouver dans l'innovation. Alors ça, c'est très... Les recherches fondamentales. Alors vous allez dire, bah oui, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la gastronomie. Et effectivement, dans ce laboratoire de recherche et développement, on va intriguer, intéresser. Là aussi, on va être moqué. On va dire, mais c'est nul. Et puis finalement, Thomas Pesquet, Samantha Davis va venir nous confier tous leurs plats à l'embarquement. Le problème de Samantha Davis, elle a besoin de produits vitaminés, de faire attention à son package calorique, mais elle veut des produits qui soient nutritionnellement bons. Et puis, elle a une marotte quand elle est en mer, c'est qu'elle veut manger des fraises. À Orsay, nous faisons des fraises en cryoconcentration pour retirer l'eau de la fraise, mais garder la valeur nutritionnelle. Ça, nous savons le faire aujourd'hui. Nous ne savons pas le faire de façon industrielle, parce que ça, c'est un autre métier, mais nous savons le faire. Donc, nous avons commencé à faire des plats pour l'alourouquérol sur la route du Rhum, des plats pour Samantha Davis, et puis finalement, on a fait les plats pour l'ISS pour Thomas Pesquet. Thomas Pesquet est extrêmement intéressant en termes de recherche, parce que, je vous le rappelle, et si on doit retenir une chose, c'est celle-là. Il n'y a pas de conflit sérieux entre tradition et innovation. Thomas Pesquet, c'est la synthèse. Il nous dit, je veux 3 plats. On dit, oui, lesquels ? Je veux une langue de veau Lucullus. C'est un plat du XVIIIe siècle, avec de la truffe. C'est très bon. Enfin, moi, je suis végétarien, mais franchement, l'arôme de ce plat, c'est quelque chose. Puis après, il dit, je voudrais une poularde au vin jaune et au morilles. C'est la poularde que lui faisait sa maman. Et il voulait un goûter de son enfance, qui est le pain d'épices aux pommes rôties. Je ne veux pas d'intrants chimiques, je ne veux pas de stabilisants, et je ne veux pas de sucre saccharose additionnel. Donc, avec ce centre,
nous avons détecté là des signaux faibles sur le sel et surtout sur le sucre, et notamment le sucre saccharose. Comment on crée de la pâtisserie sans sucre ajouté? Donc on a travaillé et aujourd'hui on produit des gâteaux sans sucre et sans calories finalement, parce que c'est juste de diminuer les calories par 3. Donc ça, ça sort de ça. Après, on s'est dit, la finance. Tout le monde parle de la finance. J'étais cet après-midi avec les FNSEA et on dit, il faut sauver la planète, il faut aider les agriculteurs. Bah ouais, c'est bien. On peut tous crier ça haut et fort sur nos canapés. Hein, et puis on peut aller faire notre marché boulevard Raspail. Ce sera écolo, ça. Achètera des Saintes-Maures à 17 euros. D'accord ? Ou alors on peut se dire, bah, moi je viens du monde de... moi je viens pas du monde de la finance, mais potentiellement il y a des gens du monde de la finance qui pourraient se pencher sur l'agriculture. Et pourquoi nous ne créerions pas un fonds d'investissement impact, un impact social et un impact environnemental pour aider l'agriculteur qui est souvent en difficulté bancaire. La problématique de l'agriculteur, c'est l'endettement. Le changement dans les paradigmes de l'agriculture, ce n'est pas des paybacks à 3 ans, c'est des paybacks à 8 ans. Donc il faut inventer de nouveaux modèles de financement. Nous l'avons fait pour les écoles sociales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de se dire on va monter des écoles pour aider des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de la scolarité ou des personnes en grande difficulté, mais on ne trouvait pas d'argent. Il a fallu qu'on crée des fonds d'investissement pour pouvoir aider ces personnes à retourner vers un projet métier. Donc la finance, on peut être extrêmement innovant en termes de finance. Aujourd'hui, il est plus cohérent d'être créatif dans des fonds à impact social et environnemental avec des paybacks qui nourrissent un peu moins vite les actionnaires. Le design, c'est quoi un restaurant demain? Est-ce qu'il est multifonction? Est-ce qu'il est participatif? Il y a tout un travail sur le design, sur l'architecture des lieux. Comment on passe d'un hôtel standard du siècle passé à Sohaus? Est-ce que cette progression va continuer? Est-ce que dans cette industrie qu'est le tourisme, on va réfléchir autrement sur l'environnement? Parce qu'aujourd'hui, une des industries les plus polluantes, c'est quand même l'industrie du tourisme, etc., etc. Donc, dans ce centre, nous ne faisons que de réfléchir et de détecter les signaux faibles pour faire du business ou du business à venir plus tard. Aujourd'hui, il n'est pas question, dans ma compagnie, de monter des restaurants qui ne seraient pas des restaurants flexitariens. Donc, tous nos restaurants sont 80% végétal, 20% protéines animales. On n'en a pas fait pour faire de l'effet de manche, pour faire des éléments de langage dans nos plaquettes de com. On s'est dit, on va le faire parce qu'on en a la conviction. Et c'est ça qui paraissait important. Et puis l'histoire pour nous, elle était importante. Qu'est-ce que le patrimoine culinaire français nous laisse comme force, comme terreau pour continuer à être innovant? Je vous ai parlé de Carême, d'Escoffier, de Bouffet. Tout ça, ce sont des livres extrêmement intéressants, mais il y en a des plus anciens. Je me souviens du traité de l'école de Salerne, qui est un livre merveilleux sur la cuisine et ce que doit être la cuisine au service de la beauté et de la santé. C'est comme ça que c'était écrit sur le traité de l'école de Salerne. Donc, il y a tout un tas de choses qui nous intéressent dans l'histoire. La partie sociale, je l'ai évoquée, comment on est innovant dans le monde social. Bien, simplement en regardant comment ça fonctionne. On s'est dit, on va monter des écoles de formation en cuisine, en boulangerie, dans les métiers du service et dans les métiers du sport. On s'est dit, comment? Bah, c'est simple, aujourd'hui, vous apprenez plus vite. Et vous apprenez plus vite, pourquoi? Parce que vous avez deux cerveaux. Moi, je suis né qu'avec un seul cerveau. Quand je dis à un gamin, on va apprendre le potage julienne d'Arblay, grand classique de la cuisine française. Il sort son deuxième cerveau. Dit lequel, monsieur? J'en ai 40. Il me reste à lui apprendre quoi? Le geste, coupe juste, goût juste et la gestion du plan de travail. Le feu, la cuisson et l'intensité de cuisson. Et le temps pour faire, et le temps, la saisonnalité. Les recettes ne sont qu'illusions. Voilà, voilà un petit peu comment on peut être innovant. Alors, ce cerveau collectif, je vous le redis, il doit être absolument indépendant, sous aucune pression économique. Si je fais rentrer cette bactérie dans le corps d'une grosse entreprise, elle va normer l'innovation. Donc c'est pour ça, vous qui probablement êtes de futurs grands managers d'entreprise, eh bien, vous devez protéger ces cellules d'innovation
pour pas qu'elles ne soient normées par l'entreprise, où on va leur demander de dire combien ça coûte, combien ça rapporte et comment on devrait couper ce type de service. Voilà. Alors, avant que vous me posiez des questions, j'espère que vous en avez de nombreuses, je vais vous faire quelques tours de passe-passe. Alors, je suis désolé, je n'ai pas préparé grand-chose. Je pense que vous pouvez goûter, pour ceux qui souhaitent goûter. Non, c'est le grand truc de la cuisine moléculaire. Parce que ce qui est étonnant, ce n'est pas qu'en France d'ailleurs, quand on dit vous voulez goûter une tarte aux pommes moléculaire ? Et là, tout le monde dit oh là, y a quoi dedans ? Par contre, vous dites vous voulez goûter la tarte aux pommes de ma grand-mère ? Et là, tout le monde dit oui. Et vous ne savez même pas si ma grand-mère n'est pas l'empoisonneuse de la mode Beuvron. Mais grand-mère, confiance. Donc c'est vrai que pourquoi on n'est pas allé créer, nous ne sommes pas allés créer un style de cuisine moléculaire, parce que ça ne fonctionne pas. Ce serait stupide. Moléculaire n'est pas un mot recevable dans l'image fantasmée de la gastronomie. Mais on peut trouver d'autres mots et on peut regarder la gastronomie autrement. Alors, comme je le disais, avant de me poser quelques questions, je vous ai préparé quelques cryoconcentrations de saveurs. Je vous ai préparé une gélification instantanée, parce que je peux vous faire entrer dans un tout petit bout de la confidence de cette gélification instantanée. Et puis, pourquoi on en est arrivé là ? Allez, des questions terrifiantes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui a dit une orange ? Gagné, c'est une orange. Alors, si je suis chef, je me dis j'ai une orange, ce qui m'intéresse, c'est les segments à l'intérieur. Et le reste, poubelle. Si je fais rentrer cette orange dans le cerveau collectif d'Orsay, on me dit attends. Les suprêmes, d'accord, on a compris. Mais qu'est-ce que tu fais du reste ? Oh non, mais c'est des déchets. Il faut arrêter de parler de déchets. On veut réduire nos déchets. C'est con. J'ai envie de garder mes déchets, moi. Alors, il faut les appeler autrement. Il faut les appeler des coproduits. Alors, quand j'ai appris mon métier, on me faisait tailler une orange. D'accord ? Je taillais les suprêmes de l'orange. Et la partie celle-ci, c'était poubelle. On est d'accord. Ou vous les mangiez. Ou les jetiez. Vous étiez comme moi, c'est très bien. Donc, quand j'amène ça à Orsay, ils me disent, mais c'est stupide. Les huiles essentielles sont là. C'est le meilleur du parfum de l'orange. Et puis là, t'as un gélifiant hallucinant. Ah oui, mais comment je récupère ça ? Bah, Emmy, tu le mets à cuire. Alors, j'ai fait une préparation. Excusez-moi, c'est du plastique. Mais en moto, j'avais peur d'avoir ça sur les genoux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris ça. Je montre des trucs que vous pouvez refaire à la maison. Alors, hein, pas vous plaindre. J'ai pris ça, grossièrement. Je l'ai fait cuire. Vous embêtez pas, vous montez à 80 degrés, ça suffira, pas de température précise, et vous laissez cuire tout doucement, une petite heure. Et vous récupérez ça. D'accord ? Et puis là, je ne voulais pas amener une bouteille d'eau, j'ai pris de l'eau. H2O, j'en fous un peu. Alors, elle a une particularité, cette eau, c'est une eau des Vosges. Je ne sais pas s'il y a des gens des Vosges ici. Très bonne. Pourquoi elle est bonne ? Pas de Villers. Très riche en calcium. J'insiste beaucoup là-dessus. Très riche en calcium. Donc, je marque que mes collaborateurs, ils disent il devient vieux, donc il ne sait plus. Mais non, je vais faire le mélange. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Hein. Je vous rassure. Voilà.
Non, j'ai mis transparent parce qu'il m'a dit triche et tout. Non, quand même. De l'eau. Une cuillère. Une autre cuillère. Et de l'eau, riche en calcium. Et je tourne. Et j'ai un gélifiant naturel. Waouh, waouh. C'est que des pectines, hein. Rassurez-vous. C'est que des pectines. Voilà. Pas de gélatine animale. Pas d'algues. Rien. Totalement naturel. C'est ça qui est important. Quand on veut faire une cuisine durable, quand on veut faire une cuisine intéressante, quand on veut faire une cuisine de vente, il faut prendre des risques. Il faut faire comme la science. Il faut des cahiers d'essais. Il faut se tromper beaucoup pour avoir de nouvelles textures. Si vous voulez, je fais circuler. Hein. Si vous n'avez pas peur. C'est... Alors, qui fait circuler ? Voilà. Vous me ramenez le bol, hein, c'est sympa. Alors, j'ai cru qu'ils allaient m'applaudir. Mais non, même pas. Ah. Non, non, je déconne. J'ai pas prévu de couvert, mais je laisserai les petites poches ensuite pour que vous puissiez goûter. Là, on est sur, pareil, gélification par pectine. Et là, on est sur des cryoconcentrations. Donc là, ce sont des sauces où on ne veut pas altérer la couleur du produit. Donc, on va piéger l'eau par le froid. On n'a rien inventé. Une des bases de notre laboratoire, c'est de travailler sur l'observation de la nature, sur le biomimétisme. Donc, quand on travaille sur les encapsulages, ben, on essaye de recréer la peau de la tomate. Si on veut remplacer les plastiques, il faut s'inspirer de la nature. Donc, la tomate, le raisin, c'est des choses qui nous intéressent. Et puis, en même temps, on a regardé ce que faisait l'histoire, nos anciens. Les vins de glace, c'était ça. Les vins de glace, c'était de piéger l'eau qu'il y avait dans un ingrédient pour en récupérer la substance la plus intense, la plus forte. Et bien là, vous avez deux créations de sauces naturelles, totalement qui se conservent très très bien, à base d'algues, poivron vert, poivron jaune, mais vous voyez qu'on a gardé les couleurs et on a piégé l'eau contenue dans ces produits par de la cryoconcentration. Donc on a gardé la valeur nutritionnelle du produit, mais on peut l'utiliser dans la cuisine et avoir une cuisine extrêmement savoureuse. Et dernière chose, je laisserai tout ça, bien sûr, mais vous pouvez goûter ceci. C'est un fond de tarte. C'est un fond de tarte, mais il a une particularité, il est totalement vegan. Alors, ah, vegan, pas bien. Moi, il y a une chose que j'aime dans l'innovation et dans la créativité, c'est de créer sous la contrainte. C'est là où vous êtes les meilleurs. C'est là où on est les meilleurs. Donc un jour, on a des jeunes gens qui sont venus nous voir en disant « Il faut lancer des produits véganes. » « Non, ça ne marchera jamais. C'est des cons. Ils sont trop dans l'excès. » D'accord. Puis j'ai une boutique à Scramble Square à Shibuya. J'ai 200 mètres carrés d'une petite boulangerie. Mon voisin, végane, stand vegan, 600 mètres carrés. 25 000 euros au jour. Je suis revenu à Paris, je dis, vous êtes sûr que c'est nul, le vegan ? Parce que là, il y a quand même un potentiel business assez incroyable. Alors, c'est pas nul, mais c'est pas bon. Alors, et si on le faisait bon ? Donc là, vous avez une tarte, un fond de tarte, classique, sans sucre saccharose et totalement vegan. Donc la matière grasse qu'on a utilisée est une matière grasse totalement saine, c'est un beurre de karité naturel, et on fait des tartes avec ceci. Aujourd'hui, on développe une marque de biscuits qui s'appelle Néo Gourmet, sans sucre ajouté, etc. etc. Vous voyez, c'est intéressant d'aller voir les contraintes et dire, tiens, il y a un business model possible sur le vegan, sur le végétarien, sur les restaurants flexitariens, mais
quand vous voyez la capacité que nous pouvons avoir dans le monde de l'alimentation, c'est hallucinant. Donc, si vous vous intéressez au monde du food and beverage, soyez innovants et rejoignez-nous très, très vite. À vos questions, maintenant, je vous laisse... Je vais faire circuler ceci. C'est un vinaigre de pomme. Pareil, nous avons piégé l'eau de cette pomme dans de la cryoconcentration pour accélérer la concentration en sucre naturel de cette pomme. Alors, soyez cool, vous mettez une petite goutte sur votre main, comme ça, un petit peu haut, et vous goûtez comme ça. Collez pas le truc à votre main, parce que vous passez à votre voisin. Par les temps qui courent, faire un peu gaffe quand même. Alors, soyez clean, faites couler, vous allez voir. Vous allez me dire, mais il est sucré ce vinaigre. Et on a simplement piégé l'eau des pommes avec le froid. À vos questions, s'il y a des questions. C'est la première question qui compte, après vous verrez, ça va tout seul. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci beaucoup de votre présence. Je vous en prie. J'aurais une question à propos de votre collaboration avec FID. D'accord. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, il s'agit de... Enfin, peut-être que vous les présentez vous-même. Non, allez-y. Si vous voulez, ce sont des produits qui sont faits pour... ce sont des repas qui peuvent être consommés rapidement sur le pouce. Ce sont des barres de céréales, ou, enfin, disons des barres énergétiques, et des shakers, en fait, si vous voulez, en poudre. Et en fait, la particularité, c'est que ce sont des repas entièrement équilibrés nutritionnellement, d'un point de vue nutritionnel. Donc ils sont sains, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas d'additifs, etc. Et M. Marx a collaboré avec cette start-up, qui peut-être n'en est plus une, pour une gamme bio. Voilà. Et moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il ne vous manque pas, à travers ces produits, finalement, trois choses qui sont fondamentales pour moi quand on déguste quelque chose, quand on partage un repas? C'est premièrement la texture. Deuxièmement, le visuel, le design, le plaisir qu'on a de voir un beau plat avec les couleurs, je ne sais pas, une belle salade d'été avec différentes couleurs. Et troisièmement, tout simplement, est-ce que finalement, il ne s'agit pas de là de promouvoir un repas pris sur le pouce dans le métro sans finalement le moment de partage qu'on a avec, autour d'un repas, vous savez, découvrir les différentes saveurs d'un repas avec son voisin, avec sa famille, le moment social que c'est finalement. Merci, ces questions, c'est très mignon. Non, mais j'aime bien, c'est bien, parce que vous touchez du doigt l'essentiel de ce que j'ai dit. Pourquoi je suis allé vers FID ? Start-up, jeune étudiant, quelle idée ? Quelle était l'idée de départ ? Un substitut de repas, en gros. Pourquoi faire ? Bah, c'était plutôt pour des publics sportifs qui, à l'heure du déjeuner, allaient faire un jogging, faisait 7 ou 8 bornes, et puis, mort de faim au retour du jogging, ben on le jetait sur un mauvais sandwich. Pas cher. Je me trompe ou il y en a qui font ça? Alors, vous venez de perdre, en gros, avec ce mauvais sandwich, une heure de course à pied. Donc, on s'est dit, il faut répondre à un besoin. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de retenir ça. Quand je fais quelque chose dans l'entreprise, je réponds à quel besoin? Quand les types font ça à hausse, ils répondent à quel besoin? Quand on fait des palaces, on répondait à quel besoin? Pourquoi les palaces fonctionnent de moins en moins bien? Parce qu'ils ne répondent plus aux besoins de nos clients. Les palaces étaient faits pour la fin du 19e siècle, pour ces grandes familles anglaises, en crinoline, qui arrivaient dans des lieux énormes et avec des appartements énormes. Ça répondait à un besoin. FID. Je vois deux jeunes futurs collaborateurs, d'ailleurs, venir avec l'idée de FID. Quand je lis l'étiquette, je dis ça, non. C'est pas possible que je mette mon nom là-dessus. Et j'envoie bouler. Je dis non. Moi, je fais de la nourriture, il faut que ce soit sain, il faut qu'il y ait des produits traçables, etc., etc. Donc, j'envoie aux pâquerettes. Et puis, le type me dit... On a levé 50 millions. Ah,
Non, mais c'est intéressant, ce n'est pas les millions qui sont intéressants. Ce qui est intéressant, c'est de dire que potentiellement, il y a énormément de gens qui s'intéressent à cette façon de s'alimenter. Et deuxième question, c'est que le laboratoire nous dit, Thierry, avec tout ce qu'on a mis en place sur la nourriture embarquée, il serait peut-être intéressant qu'on se penche sur ce problème. Donc, on a fait Feed Bio, c'est la seule partie que j'ai signée, et que les barres. Donc là, j'étais sûr. On a mis un an pour trouver tous les produits bio qu'il nous fallait pour faire ces barres. Et ça a été un succès total. Pas uniquement pour les barres bio, d'ailleurs, mais pour les barres en général. L'autre jour, je tombe chez un pharmacien, je lui dis, c'est quoi les meilleures barres en suicide repas pour ceux qui font un peu de sport, ça? Il me dit, Feed. Moi, je suis triathlète, Feed, c'est mon truc. Je vais à l'entraînement, j'ai ma barre, je reviens de l'entraînement, je bouffe ça et je suis calé. C'est vrai, ça répondait à un besoin. Donc, ça veut dire que je suis resté à avoir investisseur chez Feed et je me suis dit, il y a un sujet. Il y a un sujet sur l'alimentation. Pourquoi, quand je prends l'avion tous les deux mois pour aller au Japon, pourquoi on me sert toujours depuis 15 ans cette même merde de plateau en business? J'ai du foie gras, des crevettes qui ont été cuites, en gros, 24 heures avant, congelées et réchauffées en régithermie, etc., etc. Pourquoi, vu que je suis un client embarqué, je ne peux pas utiliser ce type de produit? Pourquoi, quand je suis militaire sur le terrain, je ne pourrais pas avoir une barre nutritionnellement correcte qui puisse me faire tenir le temps de la mission, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a un potentiel business dans ces barres intelligentes au niveau de l'alimentation. Mais, et là, vous avez totalement raison dans votre analyse, ce n'est pas un produit de table. Vous m'avez parlé d'un produit de table qui était une salade merveilleuse, la Japonica Pampa, extraordinaire, qu'on va partager avec des copains. Et ça, c'est donner de la mémoire à l'éphémère. Ça répond à un autre besoin, le besoin d'être ensemble. Là, c'est le besoin du voyage, le besoin du sportif. C'est un autre besoin, mais si je le néglige, je perds une part business intéressante. Si je ne le néglige pas et que j'en fais un produit correct, intéressant, pourquoi je me force à manger dans un TGV, en gros, il y a moins de deux heures entre le point A et le point B, acheter un mauvais croissant de l'industrie? Très honnêtement, quand je regarde les intrants qu'il y a dans ces croissants qu'on vous vend à la SNCF et quand je regarde ce que j'avais dans mes barres, je préférerais qu'on me vende des barres dans le TGV ou dans l'avion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut répondre à des besoins. Et je suis allé vers ces barres parce que d'abord, c'était une start-up extrêmement intelligente qui avait su construire un business model qui était intéressant. Ils ont lâché la main du bio, donc j'ai lâché la main de ces barres. Mais je trouve que c'est un business model intéressant parce que ça répond à des besoins. N'oublions pas que l'idée de développer du business, c'est de répondre à des besoins de clients. C'est pas autre chose. Donc, à un moment donné, il y a un besoin sur ces barres. Première barre dans le monde, première barre alimentaire dans le monde, 1932. 1938, la barre Mars. Barre énergétique, vendue comme telle, ovomaltine, etc., etc. Donc, il y a un potentiel business là-dedans. Alors, moi, je trouvais que cette start-up, elle était intéressante et je l'ai portée. À chaque fois que je porte un projet, ou que j'endosse quelque chose, je me dis, j'ai les réponses aux attaques. Ah, c'est un chef qui se lance dans les substituts de repas. Bah ouais, mon pote. Tu y es pas allé, j'y vais. Et je peux faire bon. Ah, bon. Ah, zut, il est allé, et puis pas nous, et puis il lève un million pour faire ça. Bah ouais. Détecter les signaux faibles. Ça, c'est un signal important de façon de se nourrir. Je vous donne un détail d'analyse qu'on a vu ensemble avec mes collaborateurs du laboratoire. Un sandwich sous blister, c'est 45 intrants chimiques. 45 intrants chimiques sur un sandwich vendu dans une marque basée à Londres, très connue. Je préfère une barre, très honnêtement. Déjà, ça m'évite de bousiller une heure d'entraînement. Next, là-bas. Bonjour Monsieur Marx, merci beaucoup d'être avec nous. Alors je viens d'une famille de restaurateurs, donc j'avoue que le plaisir de manger m'a été inculqué assez jeune. Vous parliez d'autre part du fait que
Il serait temps de songer peut-être à faire du profit un peu moins vite pour innover de manière un peu plus sociale. Est-ce que vous n'avez pas peur que, à produire de plus en plus de nourriture en bar, équilibrée et saine, certes, mais en bar, à terme, vu, on va dire, l'orientation mondiale de faire du business, qu'à terme, on en perde juste le plaisir de manger, en fait, vu que, ben, en France, on est quand même ceux qui passent le plus de temps à table. Il y a des pays où le repas dure littéralement 5 minutes. Est-ce que, quelque part, ce ne serait pas un peu participer à... Enfin, vous tirez vous-même une balle dans le pied, j'ai envie de dire. Voilà. J'adore ces questions. Vous avez raison, il faut défendre les restaurateurs. Mais il faut, je dis, vous avez raison, il faut défendre les restaurateurs, il faut défendre la bonne cuisine. Le pays où on mange le plus mal, pas cher, c'est en France. Je suis désolé. Vous mangez bien et pas cher en Italie. Vous mangez bien et pas cher au Japon. Vous mangez bien et pas cher dans plein d'autres pays, sauf en France. On a perdu le bistrot à 5 francs. Au profit des cafés. Pour quelques privilégiés. Vous savez, moi, quand j'étais gamin, il y avait des restaurants ou des bistrots de parisiens, d'arrondissement, qui faisaient des paris beurre, des moules frites. Ça coûtait 5 francs avec un pichet de vin. Et puis, ça a disparu petit à petit, parce que ces restaurateurs n'ont pas tenu le coup. Donc, je vais vous rejoindre sur, pas sur les bars, parce que ce n'est pas le même métier. Ce n'est pas les mêmes besoins. Encore une fois, ne confondez pas les besoins. Pour moi, aller au restaurant, me retrouver au restaurant, il y a plusieurs types de restaurants. Soit je vais dans un restaurant pour voir un style de cuisine. Vous voyez, une signature de cuisine, une cuisine d'auteur. Très bien, il y a plein d'établissements en France, et vous avez raison, pour aller voir une cuisine d'auteur. Et puis, il y a des soirs ou des déjeuners où j'ai envie d'être avec des copains. Peu importe la nourriture, mais j'ai envie de me retrouver avec des copains et de partager quelques produits, une idée, refaire le monde. Donc là, la nourriture est importante. Elle doit être agréable à manger et agréable à payer. Je trouve de moins en moins de lieux comme cela. Et puis, il y a des moments dans la vie où vous devez vous nourrir, mais vous n'avez pas le temps. Vous êtes seul et vous n'avez pas le temps d'aller au restaurant. Donc, les bars sont une autre réponse. Mais on ne va pas tout faire sur les bars. Moi, ce que je pense, et c'est de revenir sur ce que vous avez dit, il faut aider aussi les restaurateurs à faire une meilleure cuisine. Je ne crois absolument pas à ça. D'ailleurs, vous en êtes la preuve incarnée. C'est-à-dire que les gens de votre génération aujourd'hui se retrouvent, ont l'outil digital pour se retrouver en permanence dans des lieux. C'est en général votre génération qui redynamise la restauration. Donc, je ne crois pas du tout à la perte de vitesse. Je crois à la perte de vitesse d'une certaine restauration, mais le lieu où vous vous retrouvez sont des lieux qui sont encore et qui sont en fonctionnement. Donc, ce n'est pas pareil, ce n'est pas les mêmes cheminements. La restauration, elle vivra toujours et elle vivra toujours par ses clients. Si les clients sont séduits par un lieu, et ils ne sont pas souvent séduits d'abord par la cuisine, ils sont souvent séduits d'abord par le lieu, parce qu'il est pratique, parce qu'il est convivial, etc. Et ensuite, si la cuisine est bonne, on fidélise le client. Et vous voyez, mes confrères restaurateurs ont bien souvent... des fois tort de mélanger les genres. Cuisine moléculaire, ce n'était pas bien. On était les fossoyeurs de la gastronomie française. Maintenant, il n'y a plus un restaurant étoilé qui ne vous fait pas un petit encapsulage ou une petite poudre de quelque chose ou un petit gélifiant de quelque chose. Vous voyez ? Donc, je pense que la restauration vivra toujours. Il faut relancer une certaine restauration plus près de nos terroirs et de nos territoires. Pourquoi ? L'Italie a su garder une cuisine rurale. Et pas cher, et très attractive. Nous, on n'a pas su le faire. Donc, il ne faut pas forcément revenir à ça, mais il faut repenser cela dans les circuits courts de la restauration. Mais aujourd'hui, moi, je vois des restaurations qui vont bien et des restaurations qui croient au cash-carry. Donc, bien sûr, quand vous faites vos courses dans un cash-carry, vous ne pouvez pas avoir les meilleurs produits. Et puis, il faut aussi s'habituer à faire en sorte que le prix n'ait pas la valeur. Et ça, pour la restauration, c'est important. Le tout pas cher, ça n'a aucun sens. Donc, il faut redonner du sens à ce que nous consommons. Et ça, c'est dans les restaurants qu'on peut être leader de cela. Mais je défends, croyez-moi, les restaurateurs pour qu'ils se forment un peu mieux et qu'ils
ils acceptent des fois de travailler sur d'autres circuits que d'aller croire en l'industrie agroalimentaire. Parce qu'aujourd'hui, 45% des restaurants parisiens fonctionnent avec l'industrie agroalimentaire. Alors, il y a plein de choix à la carte, mais méfiez-vous de ces choix. Je préfère 3 entrées, 3 plats, 3 desserts et d'avoir des choses faites maison, mais réellement faites maison, pas des fonds de tarte préachetés ailleurs, etc., etc. Donc, redonnons le sens du fait maison. Mais pourquoi on ne trouve plus beaucoup de fait maison? Parce qu'on a un problème de labor cost. À chaque fois que vous avez une analyse de vos finances dans un restaurant, vous regardez quoi? Votre coût matière première et votre labor cost. Et ce qui vous plante, c'est le labor cost. Donc, on n'a plus le temps. Quand j'ai commencé dans ce métier, dans une brigade de 3 étoiles Michelin, on était 20 en cuisine, sans compter les stagiaires. En gros, on finissait à 25. Aujourd'hui, quand on est 10, grand maximum dans un 3 étoiles Michelin, c'est le grand maximum en cuisine. Donc, vous voyez que les choses ont changé et il faut donner du temps aussi pour faire la cuisine. Et après, vous avez parlé de la partie financement. On se bat pour créer des financements plus longs, avec des paybacks plus longs pour que, effectivement, l'emprunt ne devienne pas une problématique de survie. D'autres questions? Ben voilà. Bonjour, Monsieur Marx. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence. C'est vraiment passionnant comme interaction. Moi, j'avais une question sur le centre, donc le CEFIC, si c'est ça. Je voulais vous demander de qui vous étiez entouré et comment vous aviez choisi vos collaborateurs. Le créateur du CEFIC, c'est Raphaël Aumont, qui est enseignant-chercheur, maintenant qui est maître de conférences et qui gère ce laboratoire. Et c'est les gens qui nous entourent, il y a plusieurs intervenants. On a des gens qui interviennent ponctuellement dans le centre, à qui on demande conseil, des gens comme Gilles Boeuf, qui sont des biologistes, ou d'autres. Et puis, on a des étudiants qui sont là sur des masters et qui viennent travailler pendant une année dans le laboratoire, avec différentes pistes. On a des pistes emballage de demain, agriculture de demain, cuisine de demain, industrie agroalimentaire de demain, et on a une capacité comme ça de recherche et de développement pour projeter les choses. Nous, il y a 10 ans, quand on monte ça, on se dit quelle gastronomie pour 2050. Mais 2050, maintenant, c'est demain. Donc il faut essayer de réfléchir encore beaucoup plus vite. Donc voilà, on est entouré de chercheurs et de jeunes futurs chercheurs, et puis des artisans qui nous rejoignent de temps en temps, qui ont des problématiques. Alors je vous donne un exemple. Pourquoi j'ai voulu rapprocher l'artisanat du monde universitaire? Parce qu'à l'université, on forme des ingénieurs aussi. Et on a souvent des artisans qui viennent, et leur vocation est de rester des artisans, comme on l'évoquait, ceux qui veulent rester cuisiniers, restaurateurs. Mais ils veulent se développer aussi, ils veulent grandir en termes de business. Et il y a quelques années, on travaillait sur un monsieur qui développait de la pâte à choux. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est que la pâte à choux. De petits choux comme ça. Et ce monsieur disait, moi, je veux rester un artisan, mais je veux grandir. Donc, on a fait croiser cet artisan avec un ingénieur et on a développé une entreprise, Pur Beurre, chouquette, chou garni, chou cuit, chou pré-cuit. Non, ça fait... Non. C'est vrai, ça, je vous dis que c'est vrai. Et on en produit, en gros, 30 tonnes par mois. Comment vous pouvez rester un artisan en produisant 30 tonnes par mois? Eh bien, il y en a un qui ne cède pas et l'autre qui ne cède pas. Il y en a un qui dit, moi, je suis un artisan et faire de la pâte à choux, c'est par des bassins de 100 litres, par 10 kilos, pas plus, parce que c'est ça le respect de l'artisanat et d'un bon produit. Et l'ingénieur qui dit, bah oui, alors d'accord, mais mettons en place un outil de production qui soit équivalent. Donc, on a fait 10 bassins de production en pâte à choux et puis une énorme machine qui nous permet de coucher la pâte à choux automatiquement et de la surgeler instantanément et de livrer en gros 70% du marché de la pâtisserie artisanale. Vous voyez? Donc voilà, c'est de faire croiser les mondes, de comprendre les besoins et de comment on peut faire grandir l'entreprise. Cette entreprise est passée de 20 salariés à 160 salariés dans un produit français, produit en France, transformé en France. 1 tonne de beurre des Charentes par jour. Vous voyez, donc, ça a du sens de faire croiser les mondes pour ça. Donc, on a tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui veulent bien venir, et je vous y invite, il y a une conférence chaque trimestre avec différents chercheurs, y compris des chercheurs d'autres universités, comme des chercheurs de Stanford ou de Harvard, sur les problématiques d'alimentation.
Bonjour, ben merci beaucoup encore une fois pour votre intervention qui était vraiment passionnante. Moi, j'ai une question qui, je ne sais pas si elle va faire polémique, mais c'est lié justement à la perte de l'étoile de Paul Bocuse, donc, qui a eu lieu récemment avec la publication du nouveau guide Michelin. Alors de fait, certains chefs ont décidé justement de rendre leur étoile, donc Robuchon il y a très longtemps, Cyril Lignac récemment. Et je voulais savoir, c'était quoi un peu votre position sur ces guides? Est-ce que vous ne pensez pas que ça sclérose justement et ça limite l'innovation quelque part? Ça peut brider la créativité. Voilà, merci. Merci de la question qui m'est mal à l'aise. Non, 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 vous avez raison. Alors, vous avez raison sur plein de choses. Je vais essayer d'être honnête. D'accord ? Et je crois qu'il faut être honnête et lucide. Moi, j'ai un modèle de management qui est dur avec les faits, bienveillant avec les gens. Donc, les faits. Perdre une étoile ou gagner une étoile. Alors, moi, j'ai fait partie des gens qui ont gagné une étoile, puis deux étoiles, et puis espoir, trois étoiles. Donc, je disais, le guide Michelin, formidable. 177 000 restaurants en France, 900 dans un guide. Génial. Bon. Je vous l'accorde, c'est le siècle passé. Quand vous parlez avec le guide Michelin, il vous dit, mais non, l'étoile est incarnée par un homme ou une femme, parce qu'il y a des femmes étoilées. Donc, il faut que cette personne soit là dans son restaurant et qu'elle propose une identité de cuisine susceptible d'être recommandée à d'autres, à tous les publics, ou à des publics intéressés par la gastronomie. Point. Alors, moi, je ne veux jamais juger d'une perte d'une étoile ou du gain d'une étoile. Par contre, quand je regarde les pertes d'étoiles, je me dis à quel moment on se trompe ? À quel moment c'est important ou pas important ? Moi, je pense que ce qui compte, c'est d'aller au-delà des étoiles. C'est se dire, est-ce que j'ai su devenir une marque ou pas ? Intéressant. Vous parliez de Paul Bocuse. Immense respect pour le chef Paul que j'ai bien connu. Bien connu, qui avait un modèle d'entreprise extrêmement innovant. À Colombes, je disais, mon innovation, c'est de ne pas innover. Retenez ça, c'est intéressant. Le bar en croûte, le rouget en écailles de pommes de terre, pendant 35 ans, il a fait la même carte. Parce qu'il disait, c'est ça mon référentiel. C'est ça que je dois proposer à l'ensemble de la planète. Et je vous recommande, vous, d'aller goûter ce patrimoine culinaire français. Et puis après, Paul Bocuse est devenu une marque, comme beaucoup de chefs. Alors, l'étoile, elle est plus importante que la marque ou pas ? Moi, je pense qu'il faut, aujourd'hui, développer sa marque, développer son style. Et quand les étoiles tombent, eh bien, tant mieux. Mais ce qui fera votre référence, aujourd'hui, c'est qui vous êtes, votre marque, votre signature de cuisine. Et puis, moi, j'ai vu arriver, au fur et à mesure des années, un nouveau guide Michelin, avec des données du 21e siècle. Moi, j'ai connu le guide Michelin dans le siècle passé. Côté très protestant, comme ça, rigide, on donnait une étoile, puis une deuxième, puis une troisième, il n'y avait pas de négo possible, ou c'était la sanction, ou c'était l'adoubage. C'était un fonctionnement. Et puis, j'ai connu les années 90-2000, où là, énormément de gens, vous êtes trop jeunes, mais se sont rebellés un petit peu contre le guide Michelin. Et on avait créé des mouvements, la jeune cuisine, on avait créé Omnivore, enfin ça existe toujours d'ailleurs, pour essayer de faire autre chose que le guide Michelin. Qu'est-ce qu'ont fait ces gens ? Un autre guide, avec d'autres listes. Donc, à un moment donné, tout ça s'est un petit peu télescopé. Et puis, ce qu'on retenait du guide Michelin, c'est qu'il était indépendant. Pas de sponsoring, rien. Mais le temps a changé. Le monde s'est mis en réseau à partir de 1997. Donc aujourd'hui, le guide Michelin fonctionne avec le digital. Il n'a plus un inspecteur. Il a des millions d'inspecteurs. Parce qu'il s'est relié à la fourchette, à TripAdvisor, donc à Google. Donc, à chaque fois que vous allez dans un restaurant, que vous faites un commentaire, ce n'est pas anodin. Ou vous adoubez quelqu'un, ou vous critiquez quelqu'un.
Donc ça a un impact et forcément, à un moment donné, il y a des clients qui se disent bah, « j'ai pas vu le chef, il n'était pas là, j'ai pas compris sa cuisine » et tout ça fait un nouveau guide Michelin. Alors, je pense qu'il faut rester serein par rapport à ça. Moi, je me dis, c'est pas à vie, donc il faut développer son style, il faut développer sa marque. Et finalement, le public, il vient ou il vient pas. La réponse, est-ce que mon restaurant est plein ou est-ce que mon restaurant est vide? Est-ce que je joue devant une salle pleine ou est-ce que je joue devant une salle vide? Donc l'intérêt de votre cuisine, c'est primordial. Qui vous êtes, l'identité de votre produit, c'est primordial. Donc après, les étoiles tombent ou elles ne tombent pas, ou elles partent. Mais à un moment donné, il faut être aussi en capacité de se remettre en question. N'oubliez pas mon sèche-main. Je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Comment tous ces cons qui me critiquent, mais ils ne comprennent rien. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui défends la cuisine, c'est moi qui ai mon profil. Mais mon style ne plaît plus, mon client, mon restaurant se vide et je me suis pas remis en question. Donc moi, ce que je trouve intéressant dans le guide Michelin, c'est qu'à un moment donné, il récompense ou il sanctionne, mais il ne remet pas en question qui vous êtes. Par contre, si vous, vous pouvez constater les faits. Et pourquoi je fais auditer mes restaurants? C'est parce que je n'ai pas toujours toutes les réponses. Il y a des fois, quand je me décale un peu, je me dis, t'es sûr que tu réponds aux besoins du client, là? T'es sûr que ce n'est pas un peu trop stéréotypé, ton truc? Je donne un exemple. Comme je savais que je préparais cette réunion sur cette rencontre sur l'innovation, j'ai regardé tous les 3 étoiles Michelin à Paris. Déjeuner ou dîner, sauf pour la Saint-Valentin. J'ai de la place partout. D'accord? De la place partout. J'ai appelé à Copenhague, Noma, 8 mois d'attente. Et encore, on me propose une table d'hôte. Voilà. Encore une fois, est-ce que je réponds aux besoins? Est-ce que vous, qu'est-ce que vous aimez dans un 3 étoiles, un 2 étoiles, un 1 étoile? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous y trouvez un intérêt? Est-ce que vous allez, en allant dans ces lieux, vivre une émotion? C'est ça qui est intéressant. C'est pas le fait d'être récompensé ou de ne pas être récompensé. C'est dire, quand vous allez chez M. Dupont ou quand vous allez chez M. Durand, l'un vous a fait vivre une émotion et pas l'autre. Et qui plus est-ce que vous allez recommander ce restaurant? Parce que vous avez tellement eu d'émotions dans ce restaurant. Mettez-vous un peu à la place des guides. Et puis nous, chefs, on doit se dire, rien n'est gagné. Tous les jours, je me remets en question. Tous les jours, je dois défendre le parti pris que j'ai pris sur tel ou tel produit. Moi, il y a un monsieur, il y a plusieurs chefs qui m'ont bluffé. Et je vais vous parler d'Alain Passard. 1997, je crois. Hein, je dois peut-être me tromper à 2 ans près. La vache folle. La vache folle. Il décide de faire un restaurant végétarien, avant tout le monde, de créer son propre jardin, de développer un business sur ses propres jardins et de faire un restaurant totalement en circuit court avec ses propres jardins, totalement végétarien. Il a toujours 3 étoiles. Il a assumé son style. Donc vous voyez, ce n'est pas un problème d'étoiles, c'est un problème d'identité. Est-ce que j'assume mon identité et est-ce que mon identité de cuisine intéresse mes clients? Moi, j'ai une unité de mesure qui énerve mes financiers tout le temps. Tout le temps. Vous savez ce qu'elle c'est? Ce n'est pas mon labor cost, ce n'est pas mon food cost, ce n'est pas mon chiffre d'affaires. Je ne dis pas que je m'en fous, mais c'est le dernier truc que je contrôle. Ce qui m'intéresse, c'est mon repeat guest. Tout le temps, je suis ancré sur mon repeat guest. Oh, chef, regardez, on perd en repeat guest. Ne vous attendez pas qu'on monte en chiffre d'affaires. On perd en repeat guest, c'est pas grave, on monte les prix. C'est pire. Surveillez votre repeat guest. Est-ce que j'intéresse toujours ma clientèle? Est-ce que je suis innovant? Est-ce que le plat, là, je ne me suis pas remis en question, ça fait quand même 3 semaines qu'on est sur le même plat. Mais on dit à tout le monde et à toute la presse qu'on est innovant. C'est pas vrai. Il faut le faire. Et aujourd'hui, on travaille, pardonnez-moi l'expression, on travaille à poil. C'est de la communication immédiate. Vous sortez du restaurant, vous donnez un avis, vous postez un avis. Vous êtes tous potentiellement des inspecteurs de guides. Donc, vous voyez, donc, ça veut dire qui je suis. Est-ce que je sais vraiment qui je suis?
Moi, ce qui m'agace souvent dans mon métier, et j'espère que mes confrères me pardonnent, c'est les éléments de langage. Là, dans mon métier, tout le monde est plus green que green. On travaille en t-shirt, on met un tablier de jardinier, et puis on parle de circuit court, et on parle de permaculture. Alors, demandez-leur qu'ils vous montrent leurs mains quand ils font de la permaculture. Moi, je fais de la permaculture le dimanche, vos mains, elles sont pourries. Mais c'est les éléments de langage. Mais le client, il gratte derrière. Il se renseigne, puis tout d'un coup, il découvre que votre sponsor, c'est les beurres présidents. Donc, c'est Lactalis. Donc, c'est le plus gros truc de l'agroalimentaire. Vous dites, attendez, il y a un non-sens dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, où on est nu en permanence, il faut s'assumer. Savoir qui on est, quelle cuisine on veut faire, avec quel produit. Et quel message on veut faire passer, pour quel plaisir on veut donner. Et après, les étoiles. Ben voilà, ça tombe ou ça tombe pas. À force de viser la lune, on loupe les étoiles. Une autre question. Bonsoir, monsieur Marx. Je suis ici. Ici, voilà. Moi, j'aurais une question sur votre gestion du temps. Et notamment sur certains de vos collègues chefs, et je pense à Alain Ducasse ou à Anne-Sophie Pic, qui lancent des concepts ou qui multiplient les restaurants étoilés à travers le monde. Vous avez passé beaucoup de temps à dire que vous étiez maintenant une marque, en tout cas que vous développiez un réseau de boulangeries, etc., des bars énergétiques. Et en fait, ma question, c'est concrètement, dans une journée type, combien de temps vous passez à cuisiner ? Facile. Je cuisine deux fois par semaine, le mardi et le jeudi. Une fois à l'atelier de recherche et développement à Orsay, une fois à l'atelier de recherche et développement à Avenue de la République, dans lequel je reçois des clients gratuitement pour leur montrer nos essais. Et, sauf là, vous me retardez, tous les soirs, du mardi au samedi, je suis présent au Mandarin Oriental. Je n'ai qu'un restaurant étoilé. Tous les autres, je ne veux pas. Et quand je suis au Japon, c'est tous les deux mois, j'ai deux collaboratrices qui sont là en permanence pour me garantir que le pass est en bon fonctionnement. Le pass, c'est là où on envoie nos plats. Et en général, quand je m'absente, comme j'ai un restaurant gastronomique très compliqué, il est tout blanc, c'est-à-dire que tous les trois mois, on est en refresh du restaurant. Donc je profite de ces moments-là pour partir. Après, on va parler de chef d'entreprise. Chef étoilé, ok, on est des chefs d'entreprise. À un moment donné, il faut se développer. Un restaurant bien géré, c'est 4% après impôt de revenus. 4%. La moindre erreur de gestion, c'est la cata. C'est la cata pour en gros 80 collaborateurs. Donc, il faut développer. Simple. Savoir-faire, c'est la base de notre métier. Savoir-faire, c'est du management de nos collaborateurs. Et faire savoir, c'est de la communication. On ne peut pas sortir de ça. Il faut se développer avec ces trois éléments-là. Si on ne se développe pas, on n'existe pas. Alors, on va peut-être un peu exister dans son quartier, dans sa ville, dans son département, en France. Mais aujourd'hui, le débat, il est planétaire. Donc, vous ne pouvez pas demander à un artisan, s'il n'en a pas envie, de rester un artisan de quartier, un artisan de village, ou simplement un artisan régional. S'il veut se développer, il faut qu'il y mette les moyens. Et après, ce sont les mêmes pratiques que n'importe quel chef d'entreprise. Je vous ai parlé de marque, parce qu'aujourd'hui, sur 200 chefs, sont déjà des marques. Je pense que 10 chefs, vivent plutôt pas trop mal de leur marque. Le reste, ça peut être discuté. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir si ces marques meurent à la disparition de l'incarnation de cette marque ou pas. Ça va être intéressant. Moi, aujourd'hui, je pense que ces marques vont s'éroder à la disparition du créateur, pas comme dans la mode. Donc, je pense que tant que la veilleuse fonctionne, il faut essayer de se diversifier.
Et j'ai mis en place, vous avez cité les bars, mais les bars, c'est un épiphénomène pour moi. C'était un test que je voulais faire, et je crois qu'il y a un potentiel business, mais j'y suis pas resté. Mais je pense que le sans sucre, le vegan, le végétarien de qualité, etc., etc., je pense qu'il y a des potentiels business, des potentiels de développement d'autres marques, qui ne portent pas mon nom, qui peuvent créer du revenu pour ma société. Vous voyez qu'à un moment donné, il faut aussi soit rester très, très poète et dire, bon, on ne se développe pas et on voit ce qui arrive, ça peut être jouable. Ça peut très honnêtement être jouable, et j'en connais qui ont réussi ça très bien. Mais à l'heure qu'il est aujourd'hui, un restaurant dit 3 étoiles, c'est en moyenne 100 personnes. C'est du labor cost. Donc, c'est quand même des entreprises à gérer. Et si cette marque, vous la portez bien, vous pouvez la faire de façon planétaire. Donc, on peut nommer des chefs comme ça qui développent. Certains développent des restaurants étoilés. Ça, c'est au guide Michelin de prendre la responsabilité de ces étoiles, parce que si le chef... il diffuse des étoiles parce qu'il représente quelque chose, pourquoi pas, je n'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je ne sais pas le faire. Moi, je sais avoir un restaurant étoilé à un seul et unique endroit. Mais le reste, je ne m'interdis pas de développer du business. Par contre, j'ai une implication toute particulière à la gestion de mon temps. Et ça, je le règle dès 5h45 du matin jusqu'à minuit le soir. Et là, je laisse très peu de place au hasard. Et quand je fais les choses, je suis présent. Je ne me diffuse pas dans des choses qui ne m'intéressent pas ou des choses qui ne pourraient pas m'amuser en termes d'entreprise ou développer quelque chose pour mes entreprises. Mais la gestion du temps est extrêmement importante, vous avez raison. Mais le développement de nos affaires est absolument nécessaire. Sinon, vous n'existez pas. Je suis désolé, les chefs les plus riches au monde ne sont pas des chefs français. C'est Nobu... C'est Stone Blumenthal, c'est Scabin, et d'autres aux États-Unis. Mais je pense qu'un des grands de New York, c'est plus de 1200 salariés. Avec une entreprise de catering, une entreprise de développement industriel, avec plusieurs restaurants et plusieurs types de restaurants, etc., etc. Nous, on est encore à la hauteur du dispensaire. On n'est pas grand-chose. Aujourd'hui, moi, c'est 800 collaborateurs entre... Paris, la Tour Eiffel, Mandarin Oriental, les différentes zones d'activité, j'ai en gros 800 collaborateurs. Vous voyez, je suis une PME. C'est vrai. Rien. Une virgule dans Les Misérables. Mais si vous ne vous développez pas, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, ça monte très, très vite derrière. Aujourd'hui, un chef se fait connaître en gros à entre 25 et 30 ans. Moi, il fallait passer la trentaine. Et ceux avant moi, des gens plus âgés que moi, disaient, ben non, c'était un ramp-up de 20 ans. Aujourd'hui, le ramp-up, il est de 2 ans. D'ailleurs, le gamin sort de Ferrandi, il vous dit, je suis déjà très connu, regardez, je poste 2 recettes sur Instagram tous les jours et j'ai 1000 vues. Donc, vous ne pouvez même plus l'embaucher comme commis. Et potentiellement, il va avoir du talent, il va passer à Top Chef, il va monter un restaurant, des investisseurs vont miser de l'argent sur lui parce qu'il a été vu à la télé. Donc, pendant 2-3 ans, on va miser de l'argent sur lui. Et là, encore une fois, s'il ne sait pas qui il est, ça va être compliqué. Donc, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, le business, il est comme ça. On peut se dire, bien, pas bien, ça, tout le monde s'en fout, dire, bon, comment, moi, je trouve mon chemin là-dedans. Et en gardant toute ma loyauté vis-à-vis de ce métier qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Donc, mais je pense qu'il n'y a pas à ostraciser le côté chef d'entreprise. Ce serait malvenu, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un modèle artisanal ne devienne pas une PME de qualité. Il n'y a pas de raison à cela. D'ailleurs, quand je défends ces écoles d'insertion, moi, je dis toujours dans mes quartiers et dans les quartiers dans lesquels je travaille, moi, il me faut des Mbappé de tout. Il me faut des Mbappé de la plomberie, il me faut des Mbappé de la pâtisserie. Il me faut des rôles modèles comme ça pour dire qu'il n'y a pas de raison qu'on mise de l'argent en permanence sur des start-up du digital et zéro sur le travail manuel. Donc là aussi, il y a une réflexion à avoir, parce qu'il y a du potentiel business extrêmement intéressant. Et le business, moi j'aime bien ce nom-là, mais ce n'est pas pour se dire on va faire du gros argent, on s'en fout. C'est de dire on va faire de l'argent, du revenu qu'on va pouvoir redistribuer. C'est ça qui est intéressant dans le business. Aujourd'hui, je fais tout ce que je fais dans le monde de l'entreprise, il est impact social et impact environnemental. Aujourd'hui, on a un traiteur avec SOS, un traiteur social, dans l'univers du luxe, et on fait 12,
presque 15 millions de chiffre d'affaires. On vient de reprendre le pavillon Élysée. Et on s'est dit, oui, là, il faut investir. Il faut investir dans une économie plus sociale, mais une économie quand même. Le capitalisme est efficace, mais il n'est pas juste. Là, dans cette salle, on doit être d'accord avec ça. Il n'est pas juste, il est efficace. Alors gardons son efficacité et redistribuons autrement. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans mon business. Pourquoi je développe des restaurants, pourquoi je développe des boulangeries, c'est juste pour ça. Et pour me dire, putain, j'étais dans un putain de quartier quand j'étais môme, et quand je retourne dans mon quartier, ça s'est encore plus dégradé. Je me dis, mais putain, mais bougez-vous les mecs. Il y a du business partout. Levez-vous, bougez-vous, et on va faire des trucs ensemble. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je me dis, tout ce que je fais, c'est impact social et impact environnemental, et on va faire de l'argent. Et on va faire de l'argent. Aujourd'hui, si vous voulez défendre l'agriculture, il faut créer un fonds d'investissement. Il faut voir même créer un emprunt national. Parce que être assis sur ses fesses devant la télé ou au marché très branché en disant il faut défendre l'agriculteur, non, aujourd'hui, il faut mettre l'agriculteur sur le ramp-up. Mais un business model dans l'agriculture, c'est au minimum 10 ans. Et au Crédit Agricole, c'est des paybacks à 5 ans, voire à 3 ans. Vous ne pouvez pas aider l'agriculture. Donc, ça veut dire que le monde de la finance aujourd'hui et les jeunes gens du monde de la finance, s'ils veulent faire quelque chose pour l'environnement, alors il faut repenser des modèles d'investissement en utilisant les modèles anciens, mais en redistribuant autrement et en donnant aux partenaires, en donnant aux actionnaires une capacité à moins engranger moins vite. Les îles Caïmans, si elles se dotent de la bombe atomique, ça ira. Mais sinon, je ne vois pas comment on va faire pour protéger les îles Caïmans. Moi, je n'ai jamais vu un coffre-fort sur un corbillard. Jamais. Ça ne sert à rien. Être le plus riche du cimetière ne sert à rien. Mais absolument à rien. Ça ne vous rend même pas heureux. Ça ne rend même pas heureux vos proches. Donc aujourd'hui, il faut faire du business. Il faut comprendre les mécanismes du capitalisme, mais redistribuer autrement. Parce qu'effectivement, faire de l'argent, il y a des gens qui savent faire de l'argent. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on est sur le Titanic. Il y a des gens qui font de l'argent, ils font de l'argent. Mais je ne sais plus comment arrêter. Je suis sûr, j'étais dans un conseil d'administration l'autre jour, je me disais, il faut arrêter avec le gros argent, là. Ben oui, mais tout le monde est autour de la table, mais on ne sait pas faire. Je me dis, mais arrêtez de regarder toujours les mêmes chiffres, le labor cost, le food cost. Et puis, mais regardez un peu ce que pensent vos clients. Qu'est-ce que veut votre client? Comment vous pouvez avoir un impact social et un impact environnemental? Ce n'est pas dans le tout pas cher. Moi, j'ai des boulangeries. On me disait, mais, ah non, mais attendez, c'est des boulangeries pour les riches. Je dis, comment ça, c'est des boulangeries pour les riches? Je fais une baguette à 1,20€, entre 1,20€ et 1,30€. Ouais, mais il y a des gens qui vendent des baguettes à 80 centimes d'euros. Vous vous rendez compte? 80 centimes d'euros. Vous ne payez pas le prix de la farine, vous ne protégez pas une filière agricole, vous ne protégez pas une filière de l'artisanat, et vous protégez pas, et vous ne vous protégez pas en tant que client. Parce que la baguette à 80 centimes d'euros, vous la paierez trois fois. Vous la paierez une fois à la caisse, une fois pour vous soigner, et une fois avec vos impôts pour nettoyer les intrants chimiques qui sont dans la terre. Ça, c'est la réalité. 1,20€, 1,30€, vous payez une filière agricole, vous payez une filière de l'artisanat, et vous payez la baguette qu'une fois. Si tu es pauvre, sois malade. Ce n'est pas une logique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon produit? On a parlé de gastronomie, on a parlé de business, mais souvent, je dis à mes confrères, mais c'est quoi un bon produit? C'est bio. La phrase qui tue. C'est bio. C'est bio, mon con. L'industrie est bio. La grande distribution est bio. Tout le monde se fait photographier avec une vache. Vous n'avez pas remarqué? Tous les supermarchés, les mecs, ils... Et alors, le pire, c'est qu'il y a certains magazines de gastronomie, et là, vous voyez les jeunes fermières, les nouvelles fermières, avec les bottes aigle, le tablier. Vous dites, j'en ai jamais vu des comme ça, moi. Ça sert à rien, ça. Il faut remettre les actions en mouvement. Donc, si on veut être bio, il faut être 200% bio. Un bon produit, c'est ça, c'est 200% bio. On mesure l'impact social et on mesure l'impact environnemental. Impact social, combien je paye le produit et combien il rémunère l'agriculteur. Qui, en échange de quoi, vit bien et entretient la terre qu'il va devoir transmettre aux générations futures. Comment je préserve une filière de transformation et comment, en tant que client,
je me nourris bien. Parce que qu'est-ce que c'est que de se nourrir ? C'est plaisir, bien-être, santé. Archestrate, c'est l'Antiquité grecque. Oui, c'est pas nouveau. Et je vous recommande une autre lecture, c'est le traité de l'école de Salerne, qui est un bouquin merveilleux, qui vous explique l'innovation en cuisine au service de la santé. Plaisir, bien-être, santé, c'est l'école de Salerne. Merci pour toutes vos questions. Merci. Je vais ranger. Je laisse ça. S'il y a des cobayes, n'hésitez pas. Vous testez sur la main. Le fond de tarte est absolument comestible. Il est totalement vegan. Je récupère juste mes bols. Je laisse même les petites sauces piquantes. Je vous en prie. Merci, merci. Vous pouvez casser.